Comme je disais en passant, une vie universitaire, donc une vie intellectuelle, qu'est-ce qu'il en reste? Je pense qu'essentiellement, ce qui reste, c'est les gens jadis jeunes, aujourd'hui pas tous nécessairement encore très jeunes, puisqu'ils ont avancé en âge, mais des gens à la formation qui on a contribué, puisque c'est... Sans mauvais jeu de mots, c'est le seul élément vivant, c'est-à-dire c'est le seul qui se transforme en marchand. Donc, ce qui avait un sens, ce qui avait un intérêt il y a 20 ans, ce que j'essayais de dire, de le convaincre quand il faisait telle thèse ou telle autre, évidemment, n'a plus de sens répété littéralement aujourd'hui. Parce que le monde a bougé, parce que la vie intellectuelle a bougé, parce qu'elle a bougé. Par contre, ça a du sens parce qu'eux, ils l'ont transformé et ils l'ont porté en quelque chose qui est actuel. Donc, c'est eux qui rendent actuel et donnent sens à quelque chose qui n'en aurait plus, qui serait une vieillerie aujourd'hui. Mais je pense qu'après 50 ans, à peu près, carrière intellectuelle, je ne me souviens plus, j'ai publié le premier article en 64, quelque chose comme ça, ou 65, on réalise très bien, des fois par hasard, maintenant je faisais le ménage de mon bureau, de mes archives, mais quand on s'est relis, on se dit, comment est-ce que j'aurais pu écrire ça? Mais ça n'a plus aucun sens aujourd'hui, évidemment. Ça avait du sens à l'époque quand j'ai fait l'un de mes premiers articles. J'étais passionné du début de l'informatique, statistique, de l'époque encore des cartes perforées, des fils. Mais bon, j'étais un peu comme, je n'osais pas qu'un nom beaucoup plus important, Machonu qui disait, mais l'histoire sera chiffrée ou ne sera pas. Bon, c'est totalement faux, c'est vrai, mais... Certes, à l'époque, ça avait du sens, puisque l'histoire n'était qu'une narration, blabla, bavardage, et dans les régimes communistes, manipulés totalement, on pensait que statistique, enfin, se faisait évidemment totalement fausse illusion, que ça va être plus rigoureux. Nous savons très bien que la statistique n'est pas plus rigoureuse que la narration, qu'on peut lui faire dire ce qu'on... Mais bref, donc, pour dire... Ces choses-là, c'est quand je travaillais sur l'histoire économique et le mode de production... Aujourd'hui, ça n'a plus de sens, mais ça avait son sens parce que ça faisait partie de la formation de tels doctorants, aujourd'hui collègues vieillissants qui a formé d'autres doctorants, etc. C'est-à-dire que ça faisait partie d'un débat intellectuel, d'une formation, d'un développement, d'une diversification du savoir, connaissance sur la société. Mais je pense que ça n'a de la valeur qu'en passant. C'est-à-dire qu'il y a rien n'est une Bible. Et même la Bible, elle est relue à chaque génération totalement autrement. Et on peut lui faire dire, que ce soit Bible ou Coran, mille et une choses. Donc, je ne crois pas en héritage intellectuel qu'on doit relire tel qu'il a été fait. Et d'où, à moins d'un revirement que je ne crois pas, je ne suis pas prêt à rassembler mes articles, à le mettre dans un volume, parce que je pense qu'il aurait fallu soit attacher un commentaire aussi long que l'article pour défaire et refaire l'article, soit ça n'a pas de sens, parce que ce n'est plus quelque chose qui est suffisamment actuel pour être repris aujourd'hui. Par contre, dans la formation, ce qui est pour moi, pour l'universitaire, La formation des jeunes est tout aussi importante que la recherche, et on ne peut pas les séparer. Et la recherche, pour moi, on n'est pas dans les sciences exactes ou la biologie. La recherche en sciences sociales humaines, à mon avis, n'a du sens que quand elle contribue à la formation de la génération suivante, des chercheurs, etc. Parce que la société change aussi, les regards sur la société
peu importe laquelle, québécoise, congolaise, polonaise, tout ce qu'on veut, portait il y a 20 ans, n'est plus un regard pertinent sur la société d'aujourd'hui, parce que ce n'est plus la même société. Cette société est constamment en mouvement. Donc, dans ce sens, je pense que la seule contribution dont je garde, je dirais, une certaine satisfaction, une certaine fierté, ce sont les jeunes jadis que j'ai pu aider à se former, avec qui j'ai discuté, et j'en ai profité de ces discussions souvent en tant que, parce que c'est souvent en discutant avec les jeunes qu'on découvre des choses auxquelles on n'a pas pensé. Donc, voilà, je pense que si je devais conclure, c'est ça qui est important. Et c'est ça la source de plaisir et de satisfaction. Et j'ai eu cette chance d'avoir à la fois des jeunes à former dans les différentes sociétés, d'avoir beaucoup de gens venus d'ailleurs et répartis, qui ont transformé, qui sont devenus à leur tour des profs de gens importants ailleurs. Donc, voilà, c'est un peu... Quand j'ai eu la chaire, donc au Canada, un peu de moyens, un assez grand groupe des doctorants, des post-doctorants autour, que je leur avais proposé cette revue Conserverie mémorielle. Là aussi, parce que je crois fermement en deux choses, la diffusion en ligne et la gratuité d'accès au savoir intellectuel. Ça m'agace à mourir qu'on dise que les gens doivent payer pour accéder. Mais si on veut un monde moindrement consensuel avec l'échange, je ne vois pas comment on pourrait faire payer d'où aussi. Évidemment, on va me dire que c'est une hérésie. J'aimerais beaucoup voir des revues entièrement gratuites en ligne, qu'on paye pour le papier, je veux bien. Mais que les gens, surtout ailleurs, qui n'ont pas le moyen, aujourd'hui, l'Internet n'est pas ce qu'il était. On va avoir bientôt la station satellitaire pour l'Internet, donc on aura l'Internet haute vitesse partout dans le monde, et le savoir doit être, à mon avis, entièrement gratuitement distribué. Et c'est le seul moyen pour qu'il serve à quelque chose, à tout le monde, et non pas une petite minorité qui a les moyens, pas nécessairement personnels, mais des moyens sociaux, à y accéder. Et donc, la conserverie mémorielle, c'était une sorte de rêve d'une revue que les jeunes, les doctorants, les post-doctorants, pourraient gérer eux-mêmes, administrer eux-mêmes, diffuser eux-mêmes, comme pour des autorités, il fallait pour la bureaucratie une figure, donc j'étais responsable éditorial, mais j'essayais de me mêler le moins possible, et les gens ont accepté dès le départ, très bien, les jeux, contrairement à ce qu'on dit, ils envoyaient leurs textes pour l'évaluation, les textes de tout le monde, et là, évidemment, on me demandait d'évaluer. J'évaluais, mais non pas à titre des directeurs de publication, mais à titre personnel. Et c'est une revue qui, ensuite, avec la fin de la chaire, des reprises, qui semble très lue, où il y a des choses extrêmement intéressantes, et je pense exactement parce que, d'une part, ça a été un tout petit peu muet, empiété. On publie de temps en temps, je vois des gens qui ne sont pas doctorants, post-doctorants, qui ne sont pas vraiment jeunes chercheurs. Moi, je voulais que ça soit vraiment blindé contre les seniors, parce que c'est extrêmement facile de faire envahir. C'est-à-dire, une revue qui commence à marcher, et que comme ça a marché, c'est aussi une sorte de facilité, des réflexes. Ah, mais oh, je vais demander à tel prof, ou je vais demander à tel un article. Et ça rompt la dynamique, l'équilibre. Et écoutez, il y a là une revue extrêmement vivante, avec des choses passionnantes, certaines plus justifiées que d'autres, mais c'est ça qui fait le débat intellectuel aussi. Il faut des endroits où on peut oser des choses qui éventuellement ne seront pas montrées entièrement comme pertinentes ou utiles, mais si on n'ose pas, on ne pourra jamais changer, inventer. On n'aurait jamais inventé la roue si on n'avait pas osé. Donc,
Moi, je suis, ça, c'est l'une des choses, j'ose pas dire que je suis fier parce que je considère que j'étais juste un facilitateur du côté de l'infrastructure. Donc, je ne peux pas être fier intellectuellement de quelque chose que je n'ai pas intellectuellement guidé, mais je suis fier de voir que ces groupes de jeunes mouvants, changeant constamment, parce que d'un numéro à l'autre, c'est quelqu'un d'autre, c'est une autre équipe, c'est que ça fonctionne, que c'est lu, que c'est apprécié et que c'est libre d'accès. Bon, c'est certainement un autre élément de satisfaction, si je peux dire, après le plaisir de voir tel nom, bon article, bon livre, ah, tiens, c'est l'un de mes anciens. C'est un peu ça. Mais en même temps, c'est aussi parce que, écoutez, j'ai toujours cru fermement, peut-être échaudé par les milieux extrêmement féodaux de ma formation universitaire en Pologne, et après, que le savoir ne peut avancer que s'il est partagé. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'était le cas au Québec, mais en Pologne, aux archives, un dossier sur quelqu'un commençait à travailler était un dossier interdit aux autres pour 3 ans ou 5 ans, quelque chose comme ça, parce que quelqu'un y travaillait. C'est tout, mais vous le connaissez bien, les anthropologues assis sur leur ethnie et sur leur informateur principal, chassant les intrus à coups de fusil, les historiens assis, toute cette folie des champs, des compétences. Je veux bien qu'il faut garantir la compétence d'encadrement, mais de dire, moi j'ai fait l'histoire du Québec de 1830 à 1855, personne n'a le droit d'y entrer, personne n'a le droit de diriger un étudiant qui voudrait faire une période, mais qui aimerait avoir un autre. C'est de la folie furieuse. Il est beaucoup plus intéressant, que j'ai toujours fait, on a un document intéressant, de le partager avec les autres, parce que chacun va en tirer quelque chose de différent, porter un regard différent, et c'est souvent dans ça que finalement on arrive à faire soi-même un texte beaucoup plus intéressant que si on était les seuls à lire. On est très vite obnubilé par la première idée, ah, ça doit être ça, il faut le comprendre comme ça, et si on est le seul, et si on chasse les autres, mais on reste dans les cul-de-sac, personne n'est capable de se prendre par les cheveux, de se sortir du trou, regarder d'en haut et se remettre dans le trou. C'est avec les autres, et je n'ai jamais connu le cas de quelqu'un qui ait souffert du partage des documents avec les autres ou de partage des idées avec les autres. Je ne parle pas de plagiat littéral, je suis contre, même si encore. Je ne suis pas convaincu que c'est si dommageable qu'on le dit, mais qu'on travaille sur le même sujet, sur la même documentation, sur la même période. Mais il n'y a que l'enrichissement dans ça, il n'y a absolument aucune perte pour personne. Donc, je pense que c'est un peu ça aussi. J'aime bien fonctionner en réseau, fonctionner avec des groupes de gens, fonctionner avec des collègues. Bon, pour terminer, je pense que c'était l'un des éléments que les autres ont apprécié, c'est que j'aimais organiser des colloques, organiser des événements. Je pense que j'avais de ce côté un certain talent, etc. Et que c'est des choses qui ont bien fonctionné, que les gens ont apprécié, aimé. Mais je pense que penser à 20, à condition d'avoir un minimum de discipline pour qu'il n'y ait pas cacophonie, mais pour qu'on se respecte, qu'on écoute, pas seulement qu'on parle, c'est beaucoup plus productif que penser tout seul.